Alright, fait que la pizza n'est pas encore arrivée pour une raison que j'ignore. Fait que Léane va commencer, puis quand la pizza va arriver, on va prendre 5-10 minutes de pause pour la bouffe. C'est bon? Alright. Ben, quand elle est prête. Juste tester le. Good. Bon, ben super. Salut tout le monde. C'est pas que vous soyez là ce midi, c'est vraiment plaisant. Je vais me présenter vite. Je suis Léane Dutille, je travaille avec Cibarigo, qui, dans le fond, je viens présenter en leur nom aujourd'hui. Également, je suis étudiante à l'ETS, puis je travaille chez Desjardins en sécurité en plus de ça. Donc, un petit peu de contexte là, avant de commencer. Dans le fond, la présentation que je vais faire, c'est juste pour vous donner un petit peu un goût de qu'est-ce que c'est une carrière en cybersécurité, vous démontrer à quel point ça peut être large, à quel point les domaines d'affaires sont très variés et à quel point ça peut toucher aussi différents aspects, puis pas juste la, comme les techniques en informatique et ce genre de choses. Fait que dans le fond, Cibarigo, un petit peu d'historique, ça fait pas longtemps qu'on a été fondé, ça fait à peu près deux ans qu'on existe. Et nous, ce qu'on est, dans le fond, c'est une compagnie qui regroupe les initiatives en cybersécurité pour essayer de créer une espèce de workforce au Québec pour combler le manque de main-d'œuvre. Parce qu'en ce moment, il y a énormément d'emplois en cybersécurité qui sont vacants et on n'arrive pas à aller chercher les gens qualifiés pour aller sur le marché du travail en cybersécurité. Donc, il y a vraiment un besoin criant de l'industrie à ce niveau-là. Cibarigo, on va participer au recrutement, dans le fond, et on va aussi participer à la promotion de la cybersécurité, ce qui est pourquoi je suis là aujourd'hui. Et également, on va s'assurer que les entreprises, ils combinent leurs forces et qu'ils fassent des projets inter-entreprises. Donc ça, c'est quelque chose qui est comme relativement nouveau, qui n'a pas beaucoup été vu par le passé. Donc, si je peux donner un exemple concret de ça, ça serait par exemple que, à la Banque nationale, ils veulent faire un projet qui est d'implanter une certaine solution de sécurité. Puis là, ben, en même temps, ben, Desjardins, REA, Industrielle Alliance et tout ça, c'est des gros joueurs qui veulent, dans le fond, s'allier à ce projet-là. Donc, le projet, ça ne va pas être un projet par entreprise, mais ça va être vraiment un projet où est-ce que toutes les entreprises vont être à la table et qui vont y participer. Dans le fond, je vais couvrir un petit peu, tu sais, première chose, définir un peu c'est quoi la cybersécurité. On va passer par les différents domaines et aspects que ça couvre. On va enchaîner avec les opportunités de carrière, vous donner des idées un petit peu de à quoi ça pourrait ressembler. Et après ça, on va parler du cheminement, des certifications et de l'expérience à aller chercher. Donc ça, c'est quelques stats là, quand je disais qu'il va manquer de professionnels en cybersécurité très bientôt. En fait, il en manque déjà. En 2017, on voit que déjà en 2017, qui est comme quand même là, 2 ans, il y avait 14 milliards de dollars qui avaient été dépensés en cybersécurité, indiquant que c'est quand même une dépense, une chose très importante. En 2017 aussi, il y a 21% des Canadiens qui ont été victimes d'une cyberattaque, donc ça touche pas juste les entreprises, mais ça touche aussi les gens directement, la population directement, et c'est vraiment un besoin criant. Également, j'attire votre attention sur ici. On estime que d'ici 2021, il va y avoir 3,5 millions de postes en sécurité at large qui ne seront pas comblés. Donc, considérant là, ces statistiques-là, qu'on dépense là-dedans, que c'est important, qu'il y a un besoin, ben, on se dit qu'il va y avoir un problème si on ne fait pas quelque chose dès maintenant. La sécurité, ce que c'est, en gros, j'imagine qu'il y a des gens ici que vous avez un petit peu de contexte, vous avez déjà une bonne idée de qu'est-ce que c'est. Mais c'est vraiment trois critères, donc la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. La confidentialité, dans le fond, c'est s'assurer que toutes les personnes qui ne sont pas supposées voir une certaine information ne la verront pas. L'intégrité, c'est s'assurer que toutes les personnes qui n'ont pas le droit de modifier l'information ne la modifieront pas. Et la disponibilité, c'est s'assurer, bien sûr, que quand on veut accéder à un service, qu'il soit disponible. Puis la sécurité, dans le fond, ça se trouve à être l'intersection vraiment entre les trois, parce que le but de la sécurité, c'est d'assurer ces trois aspects-là, donc la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Fait que ça, c'est un peu en gros ce que ça représente la cybersécurité. Il y a un mythe qu'on entend souvent, que c'est juste les institutions financières qui en ont besoin. Je veux défaire ce mythe-là tout de suite parce que ce n'est pas vrai. Oui, les institutions financières vont avoir des équipes de sécurité, mais ça va beaucoup plus large que ça. Comme on disait tantôt, là, le 21% de Canadiens qui avaient été victimes de cyberattaques, c'était pas juste nécessairement par rapport aux banques, ça peut être super varié. Donc, j'ai un petit diagramme ici qui explique les différents secteurs d'activité avec les pourcentages.
J'attire l'attention surtout sur les médias sociaux, qui est une grande partie de notre vie, on le sait bien aujourd'hui. Et puis, on voit que la plupart des données volées ou perdues par industrie en 2018, donc c'est quand même des statistiques récentes, ça vient des médias sociaux. Si vous regardez le domaine financier, on parle de juste 0,12% de la part d'industrie dans les données volées ou perdues. Ça vient un petit peu encore là défaire le mythe. Le domaine hôtelier, il est très intéressant quand on pense surtout au voyage d'affaires, tu sais, à toutes les informations qui pourraient être aller chercher dans ce domaine-là. C'est pour ça, à mon avis, qu'il est haut dans le petit diagramme. Le domaine technologique aussi, sans grande surprise, et le commerce du détail également. Fait que c'est, comme vous pouvez voir, c'est très varié. C'est sûr, c'est pas limité à ça. Ça va super, super bien. Des fois, on se demande aussi, tu sais, qui ferait ça? Pourquoi est-ce qu'on attaquerait Facebook? Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait attaquer le cinéma? Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait attaquer le garage du coin? D'où ça vient? Dans le fond, il y a plusieurs auteurs qui ont des motivations différentes quand on parle de cybersécurité et d'attaque. Le classique, dans le fond, c'est tout ce qui a rapport ici au pays, donc aux guerres politiques et ce genre de choses-là, donc des États qui vont vouloir espionner d'autres États, et ainsi de suite. Eux autres, leur motivation, c'est vraiment juste pour obtenir des informations par rapport à comme, la politique et tout. Il y a les activistes qu'on voit souvent quand on parle, par exemple, d'Anonymous, c'en est un bon exemple, parce que eux, dans le fond, c'est juste pour faire passer un message. C'est purement idéologique comme motivation. Ils ne veulent pas nécessairement en retirer, comme c'est sûr, ils vont en retirer du profit, mais ce n'est pas nécessairement leur but numéro un. Les cybercriminels qui vont aller chercher des gains financiers, donc le gros marché de l'information aujourd'hui, en 2019, c'est aller chercher des données confidentielles, les revendre sur des marchés. C'est quelque chose qui est quand même assez lucratif et il y a des gens qui sont motivés par ça. Il y a bien sûr les menaces internes que trop souvent on oublie. Puis ça, c'est super, super important. Là. C'est pour ça qu'il y a des processus en place dans des entreprises. Que quand quelqu'un se fait mettre à la porte, bon, qu'est-ce qui se passe en arrière? Il faut désactiver les accès, il faut être sûr de bloquer le tout. Et puis les groupes terroristes, of course, donc la violence idéologique, ça revient au activisme, mais comme plus négatif. Et il y a aussi des gens qui veulent juste le faire pour le fun, donc bien sûr, ça fait partie de la motivation à le faire. Fait que je vais m'arrêter ici, on va faire une petite pause de pizza, puis on va revenir pour la suite. Ouais, là, faut séparer ça. Oui, oui, oui.
Fait que quand t'es prêt. Vrai. Bon, fait que c'est ça, dans le fond, on part d'ici. Vous avez expliqué un petit peu c'était quoi les différents auteurs, les différentes menaces des super-attaques. Fait que vous pouvez voir, en gros, que c'est très varié, puis que ça peut aussi expliquer, dans le fond, ça l'explique pourquoi est-ce que c'est pas juste les institutions financières, les gens ne veulent pas nécessairement juste faire de l'argent, ça peut être super varié comme target. Ça. J'ai oublié de dire aussi, si jamais vous avez des questions pendant la présentation, là, n'hésitez pas à lever la main. Je vais en prendre à la fin, mais aussi pendant, si jamais ça vous tente. Donc, dans le fond, la sécurité, puis quand on parle d'attaque, tout ça, ça couvre vraiment différents aspects. Il n'y a pas juste attaquer une infrastructure ou attaquer un site web. Donc, ça, c'est juste quelques exemples. La liste n'est vraiment pas exhaustive. Mais on parle beaucoup, tu sais, par exemple, des infrastructures web, donc tout ce qui est en ligne, des applications et tout. Les systèmes embarqués industriels, comme on parle, on pense par exemple aux chaînes de montage des automobiles qui doivent quand même être sécurisées. Toutes les chaînes robotiques également. Les systèmes mobiles, donc on sait tous, là, on a tous et toutes des appareils mobiles dans nos poches et tout, puis ça, c'est vraiment comme un bon vecteur d'attaque également. La forensique et la stéganographie, donc ça nous fait penser peut-être plus au côté enquête de la chose. Donc, quand il faut aller chercher des disques durs, aller chercher des données pour faire de l'enquête numérique, ça couvre ça aussi. Et la cryptographie, c'est de plus en plus en vogue, je dirais, à cause de la venue des ordinateurs quantum. Donc, les algorithmes de cryptographie qu'on connaît aujourd'hui, ils vont probablement être dépréciés à cause de la venue des ordinateurs quantum. Donc, il y a de la recherche beaucoup qui se fait en ce moment dans le domaine. Aussi, tout ce qui est l'Internet. Oui? La différence entre stéganographie et la cryptographie? La stéganographie et la cryptographie? Oui. La stéganographie, dans le fond, le but, c'est de cacher des informations dans des images, beaucoup plus. Donc, c'est de la divulgation d'informations. Alors que, la divulgation d'informations, mais en utilisant quelque chose comme une image, par exemple. Mais la cryptographie, c'est vraiment pour de l'encryption. Donc, on ne fait pas juste cacher quelque chose, on l'encrypte, pour pas que quelqu'un l'intercepte, soit capable de le décrypter. Donc, ça, c'est vraiment le but de la cryptographie. Puis la stéganographie, par exemple, si quelqu'un intercepte, par exemple, une image ou un message, bien, normalement, il pourrait être capable de trouver le message caché parce que c'est juste dissimulé, c'est pas encrypté. Donc, c'est vraiment ça la différence. Si ça répond à ta question, super. Fait que l'Internet of Things aussi, là, tous les appareils connectés d'aujourd'hui, là, les caméras, les Google Home, tout ce genre de choses qu'on commence à avoir dans un environnement beaucoup plus connecté. Et même la sécurité physique, on oublie beaucoup, mais c'est des aspects qui sont dans le fond, testés en entreprise aussi. Donc, quand on va tester la sécurité d'entreprise, on veut voir est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait capable, par exemple, d'arriver puis de rentrer dans le bureau, de se faire passer pour quelqu'un d'autre, parce que ça aussi, c'est une brèche à la sécurité et ça pourrait permettre à un acteur malicieux d'aller chercher des informations. Donc, ça, c'est un autre aspect. Et c'est sûr, comme je disais tantôt, là, ça couvre encore plein d'autres choses, mais ça, c'est les plus populaires, ça. On va embarquer un petit peu dans les carrières. Je vais vous donner des exemples de quel genre de carrière qu'on pourrait retrouver dans le domaine de la cybersécurité. Donc, tout ce qui est en recherche, c'est une grosse chose. Donc, chercheur en cybercriminalité, donc c'est quoi les différents marchés des données, qu'est-ce qui se vend bien, pourquoi est-ce que des criminels s'intéresseraient à l'informatique. Tout ce qui est par rapport aussi au comportement humain. Donc, quand on parle de social engineering, ça rentre là-dedans également. La psychologie humaine, tout ça. Ça aide énormément à comprendre le comportement humain et à se protéger par la suite. Tout ce qui est l'intelligence artificielle, les mathématiques, encore là, la cryptographie, les systèmes autonomes. Donc, un peu converger vers les nouvelles technologies. C'est un autre domaine en recherche qui est très populaire, les télécommunications et aussi découvrir des nouvelles vulnérabilités. Parce que le monde, il change, il est constamment en changement. C'est ça qui fait que c'est difficile, c'est le fun comme domaine. À cause de ça, ça change tout le temps, c'est jamais la même chose. Mais aussi, c'est difficile parce qu'il faut rester à jour. Donc, la recherche, c'est une partie très importante de ça. Dans le côté des personnes qui vont créer un peu des produits et tout, on a, ben, of course, les développeurs logiciels, les développeurs de systèmes de défense, donc développer des mécanismes qui vont aider à protéger des entreprises et des secteurs d'activité différents. Également, tout ce qui est des architectes et des cryptanalystes. Des cryptanalystes, excusez, c'est un architecte, mais pour des algorithmes de cryptographie.
Donc, ça, c'est tous des gens qui vont être amenés à créer, concevoir, mettre en place des nouvelles solutions pour aider à la sécurité dans les différentes entreprises. Du côté de l'exploitation, tout ce qui est des administrateurs de systèmes, des administrateurs des données, des bases de données, des spécialistes, réseaux, même des techniciens en gestion des accès, parce que c'est ces personnes-là qui vont administrer des systèmes critiques dans des entreprises. Donc, ces personnes-là doivent être sensibilisées à la sécurité de l'information et doivent aussi porter une petite attention particulière à ça dans leur travail. Donc, ça, c'est un aspect super intéressant. J'ai moi-même travaillé un peu là-dedans en gestion des accès, puis c'est vraiment quelque chose d'intéressant, puis qu'on n'entend pas beaucoup parler. Du côté des gens qui vont protéger directement contre des attaques, on a bien sûr les analystes en sécurité, les testeurs d'intrusion. Testeurs d'intrusion, ce que c'est dans le fond, c'est ils vont eux-mêmes, tu sais, quand on parle des hackers éthiques, là, c'est vraiment ça. Donc, eux, ils sont payés pour breacher, si on veut, la compagnie et ensuite leur dire comment ça s'est produit, comment ils ont fait pour que la compagnie puisse se protéger à la suite. Donc, ça fait en sorte que c'est des gentilles personnes qui vont briser un petit peu l'infrastructure de la compagnie. Comme ça, ben, ça met pas la compagnie dans des beaux draps, là. Puis c'est quand même, ça reste sécuritaire et ça nous donne aussi des bonnes pistes, des bonnes solutions, à savoir comment est-ce qu'on va aller patcher un système, comment est-ce qu'on va mieux se protéger pour l'avenir, pour éviter qu'il y ait vraiment un acteur malicieux qui rentre dans nos systèmes. Sinon, tous les spécialistes en sécurité des réseaux, d'autres analystes, les gestionnaires d'intervention en cas d'incident critique, c'est les personnes qui vont répondre à l'incident quand il va y avoir un incident de sécurité. Un incident de sécurité, ce que c'est vraiment une fois qu'il y a quelqu'un qui rentre dans le système, puis qu'on le détecte, puis on dit « Oh, OK ». Là, on a un problème. On a quelque chose qui se passe dans notre réseau, même si on n'est pas sûr qu'est-ce que c'est, on se dit, OK, là, il y a un problème, il y a potentiellement un problème de sécurité, que ce soit au niveau d'un intrus dans le système, de données aussi qui ont été exfiltrées, par exemple. Donc là, on sait qu'il y a un problème et c'est cette personne-là qui va rentrer en jeu pour dire, OK, qu'est-ce qu'on fait, puis qui va ramener les différentes équipes concernées pour pouvoir répondre à cette crise de sécurité. Donc, côté analyse et enquête, on parlait tantôt un petit peu, analyse du renseignement, donc tout ce qui est la cybercriminalité, les enquêtes, la forensique aussi, ça va un petit peu dans ce monde-là. Les conseillers stratégiques en cybermenace, cyberenquêteurs, spécialistes forensiques. Donc, souvent, ces gens-là, ça va être des gens qui vont travailler dans les corps policiers, par exemple. Là, soit des gens de la police ou des gens de la GRC. Des gens du gouvernement ou même de la Sûreté du Québec également. Donc, chaque corps policier ou d'agents spéciaux, ils ont comme une division qui s'occupe de la sécurité puis qui font des enquêtes, tout ça. Par exemple, quand il y a des arrestations puis qu'il y a quelqu'un qui pourrait être, accusé d'avoir, par exemple, la pornographie juvénile sur un ordinateur ou ce genre de choses-là, bien, ces gens-là, ils vont entrer en compte, ils vont devoir aller prendre l'ordinateur, le saisir, analyser et tout. Donc, ils ont des procédures à suivre. Puis ça touche directement à la sécurité aussi. Fait que ça, c'en est un autre. Bon. Côté gestion et encadrement, bien, tous les gens gestionnaires de la sécurité, les auditeurs. Les auditeurs, c'est des gens qui vont être payés pour aller dans une entreprise tierce et évaluer, dans le fond, leur sécurité. Donc, est-ce que vous êtes compliant à telle norme de sécurité en vigueur? Est-ce que vous devriez l'être? C'est quoi les prochaines étapes que vous devriez faire pour améliorer votre posture en sécurité, par exemple? Et tout ce qui est des analyses de la conformité, ça, c'est comme des auditeurs, mais à l'interne des entreprises. Les gestionnaires de projets, gestionnaires du risque, puis les enseignants. Bien sûr, les enseignants, parce que ça prend quand même des gens qui sont qualifiés pour pouvoir former la prochaine relève. Mais également, il y a aussi les gestionnaires de projet et les gestionnaires du risque, c'est des gens importants parce que même dans un projet qui ne touche pas nécessairement directement à la sécurité, ça prend quand même un aspect sécurité. Donc, quand on va développer du software, ben faut avoir comme une composante de sécurité qui me dit, OK, sont où mes risques? Est-ce que je les accepte? Est-ce que je les accepte pas? Donc, ça, c'est des rôles par rapport à ces projets-là qui sont aussi en lien avec la sécurité. Une question? Oui. Quelle est la différence entre un auditeur de sécurité et un pentester? Et un pentester? Oui. Les auditeurs, c'est toujours par rapport aux normes. Donc, un auditeur, c'est par exemple,
Il y a plusieurs noms dans le marché. Là, moi, je viens du domaine financier, fait que je connais par exemple pour le domaine financier. Donc, tu sais, quand on parle de ISO 27001 et ces genres de choses-là, les, dépendamment de ton industrie, des fois, tu vas être obligé de suivre certaines normes. Et les auditeurs, c'est des gens qui viennent vérifier que tu suis ces normes-là. Parce que ça serait un petit peu bizarre d'avoir des gens dans ton entreprise qui vont vérifier si tu es compliant à ça, parce que c'est comme, c'est un conflit d'intérêt. Tu peux pas dire, ah oui, je me suis vérifié moi-même, puis genre, je réponds aux critères. Il faut vraiment que ce soit comme un third party. Fait que c'est ça que l'auditeur vient de faire. Et puis, un testeur d'intrusion, un pen tester, c'est vraiment plus libre. Donc, lui, il fait des tests, il est face à face avec un système, puis il n'y a pas nécessairement de méthode à suivre non plus. Il va juste essayer de voir comment il peut trouver des vulnérabilités là-dedans et les reporter à l'intérieur de son entreprise. Donc, c'est vraiment la grosse différence. Quand on pense auditeur, il faut vraiment penser tout de suite aux normes. C'est vraiment par rapport aux normes. Ça va? Y a-t-il d'autres questions? OK, on continue. Ça conclut un petit peu pour les carrières. C'est sûr qu'il y en a d'autres là, que je n'ai pas listées. Donc, encore là, ça va super loin. Puis de plus en plus aussi qu'on avance dans le temps, il va y avoir des nouvelles genres de carrières, des nouvelles opportunités de carrière qui vont s'ouvrir, qui n'existent peut-être pas aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose à suivre parce que ça va être en évolution. Sinon, le cheminement typique des gens qui se retrouvent en sécurité, des gens qui auraient le profil pour aller en sécurité, ça varie. Donc, il n'y a pas comme de modèle à suivre. C'est pas comme, ça te prend un bac en sécurité, quoique ça n'existe presque même pas, c'est à peine nouveau. Ça ne prend pas nécessairement de maîtrise, ça ne prend pas nécessairement de diplôme. Je connais des gens qui sont en sécurité, qui ont un diplôme d'études secondaires cégep, puis c'est tout. Fait que ça dépend vraiment de nous, de ce qu'on connaît, de notre profil et de la job sur laquelle on veut appliquer. Ce que j'ai mis ici, ce que j'ai listé, c'est juste à titre indicatif, parce que le but, c'est vraiment d'être confortable en technologie. Fait que dès qu'on a un intérêt envers la technologie, dès qu'on se dit « Ah, tu me sens que… » Tu sais, je suis pas la meilleure, mais tu sais, ça me parle un peu, ça m'intéresse, je pense que je suis assez confortable, je comprends les bases pour y aller. Ça peut être un signe que c'est le temps de se lancer en sécurité. Donc, il n'y a pas vraiment de profil typique à ce niveau-là. Et je dirais aussi qu'il ne faut pas avoir peur de l'essayer. Parce que des fois, on s'imagine, les gens en sécurité, c'est des grosses bises de l'informatique, ils connaissent tout, ils sont super bons techniquement. Mais comme vous avez pu voir tantôt là, dans mes slides, les carrières sont super variées, donc il n'y a pas de peur à ça. Oui. Et point de vue du marché de l'emploi aussi, est-ce qu'il y a de la place pour des personnes qui n'ont aucune expérience ou est-ce que c'est vraiment juste des gens qui ont 10-15 ans d'expérience et que c'est ça fait? Il y a de la place, beaucoup pour des gens qui sortent dans l'école ou même qui sont encore dans l'école. J'ai énormément de connaissances et d'amis et même de collègues qui sont à l'école en ce moment. Puis qui sont rentrés en sécurité, puis sont là-dedans en même temps de faire leurs études. Puis ce qu'ils ont eu au préalable pour rentrer, c'est juste de l'intérêt. Donc ils étaient intéressés à la job. Ils sont allés à certaines activités que je vais vous parler tantôt aussi. Des activités souvent qu'on voit que les gens intéressés en sécurité y vont. Fait que là, l'employeur, il a dit tu sais, je vois que tu es motivé, tu t'intéresses à ça, tu as fait un petit peu de recherche par toi-même, tout ça. Let's go, on va t'apprendre le reste. Parce que dans le fond, tout s'apprend. Puis vu que les entreprises, ils ont vraiment un besoin. Comme un gros manque de main-d'œuvre, ils vont te l'apprendre. Il ne faut pas avoir peur d'approcher une entreprise et leur dire écoute, je connais moins ça, je ne suis pas à l'aise là-dedans, je n'ai pas d'expérience, mais ça m'intéresse, mais je suis prête à faire l'effort, mais je suis prête à apprendre, puis je vais l'apprendre. Il y a des entreprises qui sont reconnues comme ça pour être plus mentorat que d'autres? Il y en a une couple. Okay. Il y en a plusieurs avec qui on partner. Je sais qu'il y a Desjardins, Banque Nationale sont les deux bonnes. Il y a Deloitte aussi, même chose. De plus en plus, je trouve que c'est un pattern qu'on voit. Je dirais que c'est plus le contraire. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises que j'ai connues que ça prenait un minimum. À part peut-être, je dirais, les boîtes de consultation en sécurité. Ouais. Donc, je dirais que toutes les entreprises sont ouvertes à ça. Il suffit juste de comme se lancer. C'est sûr que, mettons, les boîtes de consultation en sécurité, ça serait un peu le genre que je dirais qu'ils te demandent un petit peu plus d'expérience pour rentrer ou un minimum. Mais à part ça, les autres sont super ouverts. Okay. C'est super intéressant. C'est quoi l'avenir? C'est de travailler avec une boîte de sécurité ou avec l'entité dans laquelle la sécurité, c'est pas une condition complémentaire? Ça dépend de ce qui t'intéresse, de ce que tu veux. Donc, il y a des gens qui vont se spécialiser pour un domaine d'affaires. Il y a des gens qui vont vouloir explorer différents domaines différents. Puis toutes les réponses sont bonnes. Donc, il n'y a pas
il n'y a comme pas de bonne et de mauvaise réponse. Je dirais que même les salaires sont pas mal équivalents. Il s'agit juste de déterminer est-ce que je veux travailler dans un domaine spécifique tout le temps puis devenir un expert de ce domaine-là, ou est-ce que je veux avoir plein de petits contrats par-ci par-là puis que je ne sais jamais comme qu'est-ce que, sur quoi je vais tomber puis ça va être varié. Mais ça ne veut pas dire que quand tu travailles dans une compagnie puis tu fais la sécurité pour cette compagnie-là, que tu vas, ça ne sera pas varié. Même dans, par exemple, Desjardins, tous les projets qu'on fait en sécurité, c'est super varié, ça touche large, puis c'est jamais la même chose. Donc, rendu là, c'est plus un goût personnel, parce qu'également, il y a des gens qui vont chercher à ne pas faire de la consultation, puis à faire plus, aller chercher plus des permanences dans des compagnies. Fait que ça dépend plus comme de ton profil, je dirais. Puis, c'est ça. Fait que dans le fond, l'intérêt en technologie. Et je voudrais aussi attirer votre attention. Y a-t-il des gens ici en médical ou comme quelque chose par rapport à la santé, par hasard? Non? OK. Ben, je vais vous dire. Oui, y a-t-il des gens. Je sais qu'il y a de l'imagerie à Shirley. OK. Parce que le domaine médical et la santé, c'est quelque chose qui, en ce moment, comme c'est encore nouveau, là, mais ça s'en vient. J'ai lu, par exemple, récemment dans des journaux, des articles par rapport à des cœurs, des pompes, dans le fond, qui vont remplacer des cœurs. Puis c'est quelque chose, c'est des pompes connectées. Sauf que le problème à ça, c'est, tu sais, qu'est-ce qui arrive s'il y a quelqu'un de malicieux qui prend contrôle de ta pompe de cœur? On aimerait ça que ça n'arrive pas. Fait que tout ce qui est la sécurité des devices médicaux, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Puis on a besoin des gens qui viennent du domaine médical, qui vont nous aider à comprendre, OK, c'est quoi... C'est avec quelles contraintes que je travaille pour sécuriser ce genre de device-là. Donc, ça, c'est un autre aspect vraiment intéressant aussi. Quand je parlais tantôt des activités, donc souvent quand on va aller dans une entreprise et qu'on va dire « j'ai pas beaucoup d'expérience et tout, mais je m'intéresse à ça », ce qu'ils vont regarder, c'est si vous participez à certaines activités comme parascolaires. Parce que la sécurité, ça s'apprend pas vraiment à l'école, puis c'est un peu difficile d'apprendre seul chez nous, dans son sous-sol, avec un hoodie puis de la pizza, pour vrai. Fait que, dans le fond, ils vont regarder si vous participez à un peu ce genre d'activité-là, puis ça, c'est juste des exemples, donc la liste n'est pas exhaustive. Il y en a probablement ici, dans la salle, qui connaissent déjà une couple. Donc, le Nordtech est une compétition, la plus grande compétition en cybersécurité en Amérique du Nord, puis ça se passe à Montréal, donc c'est quand même proche, c'est vraiment le fun, c'est dans deux semaines ou trois. Si je ne me trompe pas. Il y a aussi Ring Zero qui est un CTF pour Capture the Flag qui est en ligne. Fait que ça, c'est un site ici avec plein de ressources pour se pratiquer à comme, pénétrer des systèmes et tout. Fait que c'est super intéressant. Tous les livres de No Starch Press, ils en ont vraiment une couple de vraiment bons si vous êtes amateur de lecture par rapport à la sécurité. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Aller lire ces livres-là, je trouve que c'est vraiment bon. Puis ils couvrent autant le domaine c'est moins technique que le domaine plus technique, fait que c'est super varié, puis ils ont des sujets aussi très variés. Il y en a un, par exemple, sur genre du hacking d'auto. On se dit « Ah, ça n'existe pas », mais oui, ça existe. Puis, il y a même un livre là-dessus, fait que aller voir ça définitivement, c'est vraiment intéressant. Également, il y a le HackFest qui ressemble un petit peu au Nordtech, qui est des conférences suivies d'une compétition. Ça se passe au mois de novembre à chaque année, à Québec. Encore là, c'est pas loin, c'est quand même au Québec, c'est le fun, on est chanceux. Ici, on a le Montréal, donc dans le coin de Montréal, c'est une fois par mois, les gens se rencontrent. Je sais qu'à Québec, ils ont la même chose, qui s'appelle Québec Tech, fait que j'imagine qu'à Sherbrooke, je suis sûre que vous avez quelque chose, là. Sais-tu si s'il y a quelque chose à Sherbrooke par rapport à ça? Exactement quelque chose. Non. Comme Montréal, non? Non, mais Montréal est streamé. Ouais, c'est vrai. Troisième mercredi chaque mois, vous pouvez liker la page Facebook et voir le lien de streaming. La semaine prochaine, il y en a un. Puis c'est justement notre aide sur la préparation à Nordtech qui est pour le monde qui ont jamais fait de CTF, d'activité de challenge de sécurité informatique. Fait que si vous ne faites rien mercredi prochain, le soir, je conseille de checker le stream. Ouais. C'est vraiment comme beginner friendly. Puis ce qui est le fun aussi avec des genres de rencontres que tu te mets avec des gens, tu t'assois avec des gens, c'est qu'il y a des gens de différentes expériences. Fait que la première fois que je suis allée là, je connaissais vraiment rien. Et puis je me suis assise, puis genre là, j'ai commencé à parler à des gens à côté de moi, puis ces gens-là avaient beaucoup d'expérience, qui ont pu répondre à mes questions, m'aider et tout. Fait que ça prend vraiment le travail d'équipe, puis c'était très valeureux à mon avis. Puis sinon, une autre ressource en ligne aussi qui est intéressante, c'est le OASP,
Donc, OWASP, ils ont comme un site internet avec un wiki. Il y a même des petits challenges de sécurité pour comme se pratiquer, puis être capable de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment une bonne ressource en ligne qui est accessible en tout temps. Donc. Puis ça, c'est, je rappelle, là, c'est juste une liste. Il y en a plein. Si vous tapez sur Google CTF online ou ressources sécurité, wiki, vous allez trouver plein de ressources, plein d'articles, plein de wiki même directement par rapport à ça. Fait que je vous encourage vraiment à explorer ça. Fait qu'au niveau des différentes certifications, ça c'est pas, je rappelle, c'est pas un prérequis pour aller en cybersécurité. C'est juste pour vous donner une idée. Si jamais ça vous tente, si vous aimez ça, faire des certifications, aller chercher d'autres diplômes et tout, ça pourrait être une bonne idée. Donc, je vous ai mis en vert ceux qu'on voit le plus souvent. Donc, dans les certifications qui sont plus entrées dans le domaine, il y a le CEH qui est le Certified Ethical Hacker. Ça permet vraiment d'aller chercher comme le certain jargon en cybersécurité, comprendre juste c'est quoi les différents concepts. Comme ça, vous allez plus être capable de les appliquer après. Fait que c'est vraiment une bonne base à avoir. Sinon, dans tout ce qui est plus intermédiaire avancé, il y a le OSCP, le OSCE. Ça, c'est vraiment plus du côté exploitation. Donc, si ça vous intéresse, par exemple, le pen testing, ça serait quelque chose de le fun à aller chercher. Puis, je sais que quand vous avez ça sur votre CV, puis que les gens, les RH, les employeurs, ils le remarquent. Fait que c'est comme un gros plus, mais c'est pas un préalable dans la plupart des compagnies. Sinon, il y a aussi le CISSP, ça c'est plus côté gestion. Donc, si la section carrière gère et encore vous parlez un petit peu plus, ça serait un exemple à aller chercher. Fait que ça va mettre, dans le fond, des aspects de la gestion avec des aspects de la sécurité ensemble. Fait que j'en ai listé d'autres, mais il y en a comme vraiment plein, puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Fait que ça fait un petit peu le tour par rapport à ça. Fait que dans le fond, c'est tout pour moi. Je voulais juste vous dire aussi que Cybalco, vu qu'on est en partenariat avec des entreprises comme Banque Nationale, Deloitte, Desjardins, Réa Group, Industrielle Alliance et d'autres, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on veut agir aussi en tant que facilitateur entre les étudiants et les entreprises qui cherchent la main-d'œuvre en sécurité. Donc, si jamais vous êtes intéressé, je vous encourage fortement à envoyer votre CV à Béatrice Couture, bcouture@cybalco.ca. Et nous, ce qu'on fait, c'est que quand on a des CV, on les envoie dans le fond à nos partenaires. Donc, que ce soit pour un emploi, pour un stage, pour du temps plein ou du temps partiel, il y aura toujours des besoins. Puis, n'hésitez vraiment pas à nous écrire, à nous poser des questions. Si vous voulez un job, si ça ne vous intéresse pas, si vous voulez savoir d'autres choses par rapport à la cybersécurité, on veut vraiment aider à améliorer l'accessibilité de la sécurité. Fait que, vous avez des questions? Oui, je veux savoir. Si tu as des infos concernant la fourchette de salaire, pas mal dans les contours de Montréal et de Québec, soit en entrée ou intermédiaire, en cybersécurité. Je te dirais, c'est sûr, là, c'est comme un avis aussi, là, mais selon ce que j'ai vu et selon de ce que j'ai compris, ça varie quand même de genre 60 à 80, dépendamment de l'expérience que tu as en rentrant. C'est quand même assez élevé. Parce que j'ai vu souvent des entreprises. Il y a quelqu'un qui travaille dans une entreprise, puis il s'est fait venir. Il y a une autre entreprise qui est venue le chercher, puis qui l'a sorti de là, avec un bon salaire, des bons avantages et tout. Fait que c'est assez compétitif niveau salarial. Avez-vous d'autres questions? Oui? Oui, je me demandais justement par rapport aux carrières. Il y a beaucoup de carrières, comme vous les avez présentées, puis qui sont soit en cybersécurité, mais surtout en cyberdéfense. Est-ce qu'il y a des compagnies qui décident de prendre le taureau par les cornes, par exemple, je pense pourquoi à la Russie ou à la Chine? Qui se rend compte qu'il y a un hacker spécifiquement qui l'identifie et qui se décide, mais on va le mettre dans, par exemple. Est-ce que ça existe ou ils font juste, surtout, pas plus facile? Ça existe, mais quand c'est à l'intérieur comme de ton pays. Parce que le problème, un des gros problèmes en sécurité, puis ça, c'est juste le monde de l'informatique en général, c'est que, c'est comme tout. On est tous connectés, tous les pays sont interconnectés, sauf que c'est toutes des législations différentes. Il y a des lois différentes, des législations différentes. Puis des fois aussi, il y a la question de VPN. Est-ce qu'on est-tu vraiment capable d'être sûr que c'est cette personne-là qui l'a fait, même si on pense l'avoir retracé? C'est-tu vraiment cette personne-là? On ne le sait pas, puis on n'a pas vraiment de garantie. Fait que quand ça sort des ondes, bien, dans le fond, si par exemple ça sort du Canada, c'est extrêmement difficile pour le Canada de condamner, par exemple, un hacker des États-Unis. Fait que ça se fait pas vraiment pour l'instant.
ça va peut-être changer, mais pour l'instant, non. Mais tout ce qui est à l'intérieur du pays, oui. Donc, c'est sûr, si par exemple, là, vous faites des activités illicites là, sur Internet, puis que c'est vraiment grave au sens de la loi, parce que c'est sûr qu'ils vont pas, genre, ils vont pas débarquer chez vous là, si vous allez sur des sites de streaming. Là. T'sais, on n'est pas supposé de le faire, mais il y a quand même de la priorité là, qui rentre en bout de ligne. Mais c'est ça, fait que c'est vraiment, ça dépend des... À l'intérieur du pays, oui, mais à l'extérieur, non. Oui? Ton parcours à toi, ça ressemble à quoi? Moi, je suis passée par les sciences pures au cégep. Okay. Puis après ça, je suis rentrée à l'ETS, il y a 2 ans, ça fait juste 2 ans que je suis à l'ETS. Puis, 3 ans. Puis j'ai commencé à programmer il y a 3 ans. Puis après avoir commencé à programmer, j'ai commencé à m'intéresser à la sécurité, j'ai commencé à faire les activités comme de tantôt, participer au NordSec, participer, faire de la lecture en ligne et tout. Puis après ça, j'étais allée voir Desjardins, puis j'ai comme fait « Hey, comme ça m'intéresse tout ça, on pourrait-tu work out quelque chose? » Puis c'est comme ça que je suis rentrée. Je suis rentrée par la gestion des accès, fait que dans le fond, j'administrais certaines zones de la compagnie, puis je m'assurais que ben, les gens qui voulaient avoir accès avaient le droit d'avoir accès, puis qu'il n'y ait pas des gens qui utilisaient leur accès à faire autre chose que ce qu'ils étaient supposés faire. Fait que ça ressemble un petit peu à ça, puis après ça, ben, dans la même compagnie, j'ai pivoté, puis là, je suis rentrée dans la division de cyberdéfense. Tu as des certifications? Non, pas pour l'instant. Donc, pour l'instant, j'ai suivi aucune certification, puis je suis quand même dans le domaine. Je suis en cyberdéfense, c'est quand même le fun, puis... Par contre, je dirais que les certifications, c'est quelque chose qui m'intéresserait personnellement. Je me dis, bon, ben, maintenant que je suis là, maintenant que je sais que ça m'intéresse, je pense que c'est un bon investissement. Fait que je vois plus les certifications comme un investissement que comme un requis. Avez-vous d'autres questions? Oui. Est-ce que les slides vont être disponibles? Oui, on va pouvoir les rendre disponibles. Ouais. Moi, je fais un genre de shameless plug. À Sherbrooke, Jedi, on a une petite communauté de sécurité informatique. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, après cette rencontre-là, vous pouvez joindre notre serveur Slack, jdis.slack.com. Je sais pas s'il y a un petit crayon que je peux l'écrire. Je pense que non. Mais on va le poster dans l'événement Facebook. Puis si vous voulez commencer en sécurité, jaser du super sécurité, c'est la bonne place pour le faire. On est quelques personnes à s'intéresser à ça. Puis on organise justement des délégations pour NordSec, pour la FS. Si c'est quelque chose qui vous intéresse d'aller là, on rembourse une partie du billet, puis on s'arrange pour faire des équipes pour les CTF. Fait que si vous voulez commencer, joignez le serveur Slack. Jaser moi, jaser à Max qui est là-dedans aussi. Genre, il n'y a pas d'excuse si ça vous intéresse. Si vous avez l'intérêt, vous pouvez venir nous voir et vous pouvez nous faire plaisir de jaser de ça. Puis cet été, on organise un CTF, le IHAC s'appelle, à Sherbrooke. Ça va être fin juin. Puis c'est orienté débutant-ish. Donc débutant qui a pratiqué un tout petit peu de son bord. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, likez notre page, on va publier une nouvelle de ça. Pour les compétitions, il nécessite de faire le prix. Comment il nécessite de faire le prix de compétence? Le IHAC, mettons, si tu coins et tu connais rien à la sécurité, tu sais, moi je vais pouvoir t'aider, je vais pouvoir te donner des pistes. C'est sûr que ça va mieux si t'en as fait un petit peu de ton bord. Mais de façon générale, si tu as un intérêt, il va y avoir du monde pour t'aider. Mais ça m'intéresse par exemple, en fait, ça c'est par exemple pour le CDR. C'est des appels de tous les réseaux ou applications web. Il y a plusieurs catégories. Je ne suis pas sûr si tu peux répondre. OK, ben, je peux faire comme tu veux. Mais il y a plusieurs catégories dans un CTF. Il y a des catégories, il y a des challenges de réseau, des challenges de web, des challenges de stéganographie, de cryptographie. C'est vraiment ce qui t'intéresse. D'habitude, c'est varié. Donc, je vous encourage vraiment, là, comme je vous disais, à participer à ce genre d'activité-là, surtout les gratuits, c'est très formateur. Puis également, n'oubliez pas, si vous avez de l'intérêt, là, envoyez votre CV à Béatrice. Puis ça va être envoyé à nos partenaires. Fait que c'est comme une pierre deux coups. Là. Vous envoyez ça à une place, puis nous, on diffuse ça à nos différents partenaires. Fait que ça peut valoir la peine. Merci d'être venu. Merci.
à la communauté des gens de l'Ontario.